Est-ce que vous savez seulement ce que c'est? Non, bien sûr. Peu de gens savent. Des femmes tellement usées qu'elles ne font même plus semblant d'avoir du plaisir. Mais qui tremblent malgré tout dans vos bras. Parce que le pouvoir, c'est la peur. La peur de celui qui le possède et qui risque de le perdre. Et puis la peur de celui qui le subit comme un chien subit le coup de bâton. Et puis, vieillir. Vous êtes venu à la place de Valenbois, n'est-ce pas? Le pauvre fou, les oiseaux blancs, tout ça. L'ennemi du pouvoir, cher ami, ce n'est pas la liberté, la démocratie, toutes ces sortes de fariboles. L'ennemi du pouvoir, c'est le rêve. Le rêve! Mais vous comprenez ça? Je vous parle du rêve, pas de ces abrutissements populaires qui permettent d'endormir un pays et de l'avoir à sa botte. Je me suis toujours méfié de ces oiseaux blancs. Toute cette mythologie. Je voulais que la Merzone devienne une nation moderne. Un pays qui croit au progrès, à la science et à la technologie. Mais ces maudits Amersoniens se complaisaient dans la guimauve romantique.
de la légende des oiseaux blancs. Alors, j'ai voulu faire le bonheur des gens, malgré eux. Vous comprenez ça? Je ne vous laisserai pas aller plus loin. Thank you.
Leurs ailes de géants grandissent toute leur vie, et certains même prétendent que longtemps après leur mort, leur corps sans vie continue de planer inlassablement. Tout ça, c'est des histoires, disent les gens. Des histoires pour faire rêver les enfants d'Amersfoort.